Les pirates attaquent automatiquement. Bien, il n'y a plus personne dehors, je crois. Alors, planning. Tout le monde intramuros. Donc. Alors, ils attaquent de où? En bas et sur le côté. Alors, on va regarder si on peut pas réveiller nos copains là. Hein? Nos copains les piquiers. Les bellules. On va enlever. J'ai besoin. Allô? Agile. Allô, tu as une façon d'uranium bonne? Ok. Tu vas mettre un casque sur la tête, mon ami. Alors, des casques. Nous devrions avoir plusieurs types de casques ici. Je pense qu'on a des casques. J'ai un casque excellent. Voilà. Ensuite, Dan. T'as ton bras, toi? T'as ton bras bionique. Et tu as 11-23. Tu vas également te prendre un casque. Où est ton casque, mon ami? Il n'y en a qu'un? Ah oui, il y a Grizzly qui a l'autre. Donc, je me ramène correctement. Ma libellule. Ok, vous êtes debout. Grizzly, vous êtes occupé de dormir pour l'instant. On vous laisse un petit peu dormir. Dans 3 secondes, c'est fini. Voilà, le raid. Ils sont combien? Les ennemis. T'as 10 à 11? Il y en a 2, 4, il y en a 16. C'est pas 11, ça. 16 et 11, il y a une sacrée différence, quoi. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a de ça, et il y a de ça. Ok. Et ils sont où? Ils sont ici. Un là et l'autre groupe. Il vient de là-bas. Utilise cocktail Molotov sur bassin hydroponique. Ouais, ok. Voilà. On va. Mademoiselle Libellule, s'il vous plaît, pourriez-vous manger très vite, s'il vous plaît? Merci. Vous allez maintenant venir jusqu'ici. Vite, 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 vite. Ça, ça va rester ouvert très rapidement. Ensuite, nous voulons avoir Monsieur Grizzly. Ah. Je suis désolé, mon gars, mais t'auras pas trop le temps. Tu viens ici. Ensuite, Dan. Tu as mis ton casque? T'avais pas de casque, hein, toi? Non, t'avais pas de casque. Bah, tu viens ici. Ensuite,
Allô, t'as mis ton casque. Tu pourrais peut-être mettre une veste. Ah non, je l'ai vendue, je crois, la veste. Ouais. Je crois que je l'ai vendue. Veste. Donc, tu viens ici. Donc. Ça, c'est fait. Ma petite vache, tu viens ici. Mes cœurs. Tu viens. Ici. Vache, mes cœurs, tac, tac. D'équerre, tu dors. T'as ton œil, ouais. Dommage. Ben, on aurait eu besoin de toi, mais c'est pas grave. Et nous avons Grizzly, tac, tac, le chauve, il ne sait rien faire. Et nous avons Libellule qui vient jusqu'ici. On va regarder si elle aura le temps d'aller jusque. Non. Ah, oui, non. Oui, non. Il y en aura deux, de toute façon. Donc, on oublie. On oublie. Libellule vient ici. Ici. Voilà. On pourrait peut-être réduire un tout petit. Putain, mais qu'est-ce qui va vite celui-là, dis donc? Ah ouais, utilise cocktail Molotov. On pourrait peut-être vite faire un petit coup de. Ah, ils vont arriver deux. Ils vont arriver très vite. Ils vont arriver en deux bandes, à mon avis. Ils vont arriver pendant que les autres sont encore là. Donc, on va pour le moment garder un petit peu ouvert, fermé ça. Ouvert. On va déjà essayer de s'occuper du quête là. T'es où, ma petite libellule? Allez, fonce. Ah, j'aurais pu mettre un. Et comme ils vont vite, tac tac. Hop. Viens ici, on va vraiment ralentir la partie. Ok. Ça c'est fait. Un colon a besoin de soin. Comment ça se fait que tu es déjà amoché, toi? T'as rien, mon petit, c'est quoi ça? Badoum. Oh, Badoum, t'es mort? T'es mort. On va. On va pas laisser les morts là comme ça tout le temps, hein? Alors, est-ce que ça se réveillerait ou pas? Non, c'est pas réveillé, malheureusement. J'aurais bien voulu. Si, si. Regardez. Quand. Ah non, ils sont rien du tout. Il n'y a pas de problème. Ceux qui peuvent pas travailler. Par exemple, Jean. Bien que j'ai besoin de toi pour un truc, je vais te demander de me faire. Quelques petites tombes. Fais-moi quelques petites tombes ici, tiens. Continue. Alors,
il s'en fout. Bras gauche, bras droit, non, ici, un petit truc de rien du tout. Dame, un petit peu plus abîmé. Ah, le bras droit. Ça, c'est chiant, ça. Parce qu'un petit doigt en moins, hein, cela n'a beau dire que ça ne vaut rien, mais ça te chipote dans ta... Tu perds de la manip. C'est le pied, ça. Je préfère le pied que le reste. Ensuite, là, on a quoi? Il y a rien. Et enfin, à l'eau. Là, par contre, jambe droite. Elle est un petit peu trop longue, mon ouverture, là. J'ai fait l'imbécile. J'aurais pas dû me mettre là. Je devais me mettre ici. Là, c'est quand je dois me mettre là, c'est quand c'est des centipèdes et des piquiers. Je dois ouvrir par ici. Par contre, je me serais mis ici, ils n'auraient pas pu me tirer dessus. Ils n'auraient pas pu me tirer dessus. Ouais. Donc, Rita, tu continues à attaquer, toi. Feeling indifférent. Ouais, tu continues à attaquer, toi. Toi aussi, hein. Non, toi, tu paniques. Et vous autres, vous paniquez. Ok. Ok. Ils se tirent tous. Alors là, c'est quoi, ça? Comment ça se fait que j'arrive plus à bouger mon truc, là? Avant, j'y arrivais. Là, j'arrive plus. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on a quoi? Manuel. Machine. Bon. Ben, ils sont tous partis. Et toi, Dude? Alors, est-ce qu'il y a des vivants là-dedans? Ou pas? Mort. 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 Tous morts. Ness. Alors, t'es quoi, toi, Ness? Une femelle de 42 ans. Ne peut pas faire de travaux manuels, elle peut rien faire. Isis, t'as des beaux cheveux, toi. Femelle, 44 ans, mauviette misandre. N'aime pas les hommes, ouais, non. On va avoir du mal à te... Hein? Toi, t'as un mâle, gâchette facile, cancré, agile. Duda, mâle, 47 ans, il peut rien faire non plus. Ben, dis donc. Muffin, une femelle de 58 ans, boulimique. Homme taupe, c'est bien, mais à part ça. Donc, manuel. Ok. Donc, on va vite aller soigner nos gens. On va demander aux chauves d'aller embarquer tout le monde. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du matos à récupérer, d'abord? Il y en avait beaucoup avant. Ah, toi, je t'aurais bien piqué ton pistolet mitrailleur lourd, hein, mec. Et ton casque, c'est dude, ça. Ah, ok. Toi. Toi. Et toi. Venez m'attaquer, celui-là. Ouais, au boulot. Au boulot. Pas comme ça qu'on fait, hein, Jean-Marc. Comme ça qu'on fait. Les bellules. Vache. Toi, comment est-ce que t'es? Matériel. T'as quoi? Ouh, mais t'as plein de trucs. Et toi, Ness, t'as quelque chose? T'as rien, toi. Juste ton flingue, quoi.
Bon, allez, toi tu tires sur celui-là. Propre. Ok. Isis, t'as quelque chose? Toi, t'as rien. T'as la vie sauve. Maker. Donc toi, je voulais te tuer. Toi, tu tires sur Dude. Toi, tu tires sur celui-ci. Tu l'as eu. Ah, tu tires sur celui-là. Jean. Un petit peu mettre 2-3 personnes au frigo, là, comme on dit. Toi, t'as quoi? Matériel? T'as rien. Toi, pantalon renforcé, ouais. Pantalon renforcé, on va le prendre. Pantalon renforcé, je le prends. Toi, gilet pare-balles. Portée 1, ça marche aussi portée par un mort, ça, malheureusement. Mais on va le récupérer quand même, hein, gilet pare-balles. Pourquoi est-ce que vous autres, vous n'êtes pas... Je vous ai pas rentré encore en... Alors, donc toi, je t'ai déshabillé. Toi, manteau, cuir, tac, tac, y a pas de problème. Toi, matériel. Chemise, parka, on s'en fout. On a quelques carabines, hein, c'est bien. Non et non. Pauvre Manuel. T'as chaud? Il fait que 39. C'est glacial ici. Tu rigoles quoi? Bon. Ensuite, toi. Matériel. Chapeau de cow-boy en tissu, parka. J'ai pas besoin de te déshabiller. Toi. Gilet pare-balles. Et pantalon renforcé. Je te déshabille. Grizzly, c'est fini. Toi, c'est fini. Toi, Dan, c'est fini. Alors, ouh, mais on dirait bien que c'est un fusil à pompe, ça. Et là, c'est génial, c'est un fusil à pompe. Pour qui on va donner ça? Et lui, il est parti déjà. Allez, on va déjà regarder ça. Ok, alors. Jean, tu viens... Attends. Ça. Donc on a dit matériel. Non. Donc Jean, tu vas aller me mettre ça dans une tombe ou un truc comme ça. Transporte. Voilà. Libellule. T'as tué ton paye? Non, pas encore. Vache. Maker. Libellule. Vache, t'es blessé? Oh. Ah ouais, quand même. Tu rends vache. Et ça, c'est quoi, ça? Carabine de survie. Ouais.
Ça c'est... Ah! Ah, c'est bien. Toi, tu avais quelque chose ou pas, toi? Ouais, tu avais une petite grenade. Tirer dessus? Non, je ne veux pas. Ah, t'y arriveras pas, hein, mec. 16%. Belle. Tu peux pas tirer jusque dans ma biche. Ah. On rentre. Matériel, on a un pantalon renforcé, un gilet pare-balles et un casque renforcé. Tout le matos qu'il nous faut. Nous voulons donc que Maker vienne ici déshabiller ce monsieur. Ou plutôt, tu vas le transporter. Mais je veux d'abord que tu prennes ça. La libellule. Tu stoppes. Est-ce que tu peux... Bah, tu peux rien faire. Tu rentres. Ici. Il n'y a rien. Là-bas. Se soigner normalement. Je vois pas qui a vraiment besoin de. On va plutôt. Toi, t'es soigné ou pas? Donc, Dekir, tu vas me soigner. Grizzly. Voilà. Vache. Tu viens soigner. Allô. À urgence, tu viens. Ouais. Mâche. Je crois qu'urgence, quand on dit urgence, ça veut dire qu'on ne va pas prendre des médicaments. Qu'on soigne, boum, il faut soigner tout de suite. Je crois que c'est ça, hein? Même s'il fallait des médicaments. Et donc, ici, je vais le faire comme ceci. Ensuite, Decker et lui, c'est fait. Dame. 22h, toi tu bleeds toujours, toi. Toi tu bleeds aussi. Hein. Bon, ben Dekir, ça va aller vite, t'as un petit truc à faire là. Voilà, Nelibellule, tu viens soigner. Dan, c'est parfait. Et Dan, tu es pas besoin de médoc non plus, je crois. Certainement pas. T'as déjà été écrasé, donc. Voilà. Les bellules, on va soigner Dan, voilà. Ok, les gens. On s'est, je veux dire, pas trop mal débrouillé dans ce truc. Bon, on peut faire beaucoup mieux, hein, mais. Toi, il fallait te déshabiller. On va te déshabiller. Ensuite, toi, il fallait déshabiller. Donc, genre, tu vas aussi déshabiller celui-là. Toi, il fallait pas déshabiller. Toi, il fallait pas déshabiller. Toi, il fallait déshabiller. Et toi, il fallait pas déshabiller.
Donc t'as déshabillé, t'as fait tout ça, et puis tu vas enlever quelqu'un de là. Tu iras transporter. Ok. Tu vas pouvoir faire des autres trucs après. Et il n'y a plus personne, je suppose, qui... Eh oui. Et oui, monsieur Grizzly. Madame Grizzly. Madame Grizzly. Vous n'avez plus que 83%, madame Grizzly. Et vous, madame Chauve. Là, madame Vache. Madame Chauve. Vous, madame Chauve, vous êtes comme... Vous êtes parfaitement, presque en bonne santé pour faire ça. Eh bien, vous allez me faire ça, donc, mademoiselle. Voilà, hop, c'est terminé. On a assez roupié. On a besoin de vous, madame. Et on veut que ce soit votre lit. À vous, vache, veau et cochon. Parce qu'on perd du temps là pour la bouffe ici. Bon, on a quand même gagné pas mal de petites choses intéressantes au niveau des fringues. Jean, t'es occupé d'aller me chercher ça, ok. Et tu vas stop ici. Tu vas me le déshabiller. Parfait. Tu vas me récupérer. Transporte. Jusque dans ce petit coin-ci. Et puis après, on va s'occuper de toi. D'équerre. T'es occupé de vomir. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, l'équerre. Occupé de vomir. Ah oui, c'était vache, quoi. Viens, l'équerre. Viens me balancer cette personne-là. De là. Jean, tu as ramené ça. C'est bien. Tu vas aller me transporter celui-là. Ah ouais, il faut que j'élimine ça. Tout ce qui est mort. Tout le reste va être fondu. T'es pas prête encore, ça. Ouais, tu soignes cette personne-là correctement. Et fais-moi ça bien, ma balle, s'il te plaît. J'ai envie de réussir ma seulement 49%. Ah. Enfin, ça devrait sans doute passer, je suppose. Et toi, tu as 33%, donc ça va. Toi, t'es loin hein, déjà. Je t'ai dessiné un peu trop loin. Alors, une nouvelle quête. Tu veux me donner une onde psychique. Tu veux me mettre ça où?
système basique. Ah, pardon. Bras de forage, griffe énergétique, main verte. Lame de coude, main griffue, pic de genou. Alors, numéro de poste Est 1. Ils vont se mettre sur un site à proximité pour vous harceler. Un générateur d'ondes psychiques pour affecter les colons mâles. Et de rataboum, chasseur d'hommes, on s'en fout du rataboum. Mais j'ai beaucoup de mal, moi. Et j'ai pas envie de me prendre du moins 30 dans le nez. J'ai pas envie d'aller me déplacer autre part pendant les récoltes. Et je ne vois rien d'intéressant là-dedans. Allez, au revoir. Malheureusement, c'est la vie. Je voudrais qu'on me ramène ça. Là-bas. Libellule, que fais-tu? Tu soignes Big Red. Merci. Elle m'a fait 56% alors que lui, il n'a pas de médicaments. Et elle, avec des médicaments, a eu 46%. Ah, les belles, serais-tu meilleure que vache maintenant? C'est quoi cette histoire? Ah oui, elle ne peut pas transporter, elle. Elle va pu vérifier ça, moi, parce que. On va ajouter les stats. Efficacité, probabilité. Vitesse des soins, c'est pas ça. Qualité des soins médicaux. C'est moi un peu ça ici. À mon avis, c'est la même chose que la chance de réussir. Ouais, c'est vache qui a le meilleur, hein, le meilleur résultat pour le moment, malgré qu'elle soit encore pas en bonne santé. Tant pis. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, on va. Ok. Allô, t'es comment? Allô, t'es mal. Toi, t'es. T'es bientôt sorti du problème. D'ailleurs, on va te sortir de là et on va te remettre un lit. Il n'y a rien dedans. Ok, Grisly, t'es où? Pas te reposer maintenant. Et vache, t'es où? Ça, c'est un truc important. Les médocs, ils font un peu plus longtemps pour les... qui poussent, donc tu vas venir faire tout de suite. Hein. Et les autres peuvent pas le faire, donc il n'y a que toi et Grisly qui pouvaient faire ça. Pas pour le truc que ça dure. Regardez comme c'est dégueulasse chez moi. Bon, ça va quand même, hein, je vais vous dire moi. Mais comme c'est tellement grand, à part ça, mais là les gens n'y restent pas, donc c'est pas très important. Bon, au niveau de la, oh, tu as le coup sans problème ici, ok. J'ai encore quoi comme métal là? 1200. Ok, c'est bien. On va faire petit à petit. Hein. Alors, Maker.
tu vas plutôt me ramener tout ça. Voilà, d'équerre. Après, tu viendras me ramener ça. Allez, on y va. Ah, on a dû. Ah, c'est chez nous ça. Tu parles que c'est chez nous. Une flèche, mais c'est pas ça du tout. C'est marrant, hein? Tous les trucs météorites que je récupère, elles sont toutes dans l'autre truc. Il y en a une là, il y en a une là-bas. Avec d'autres, hein. Il y en a encore une là, ouais. Ici, ici. Je vois que c'était tout. Oh, ben ça travaille bien, hein. Ah, non, il est 21 h, donc ça va. Alors, comment es-tu maintenant? Tu es toujours majeur. Mais t'es pas monté énorme. 64, et toi, tu es à toujours 26. Bon. Prochain traitement dans 15 heures. Prochain traitement dans 15 heures. Et vous foutez le camp dans 20 heures. Alors, on va faire un petit. On prendra ça quand on fera une. Comment vais-je dire? Quand on fera une caravane, on prendra les trucs de mort avec nous. Ah la papam. N'a pas l'air d'augmenter, ni de diminuer. Ça bouge pas. Ok. Donc on peut dire que tu ne veux plus de médicaments. Et toi, tu étais à 26%, je crois quelque chose comme ça, et tu es toujours mineur, 22%, donc tout ça est parfait. Ok, il y en a une bonne chier. Alors, ouais, c'est pas d'être dur, de nouveau. Alors, quelques-uns qui ont déjà quelques douleurs. Ok, ça va. Bah écoutez, on va. Ils viennent d'arriver. Et puis ils viennent d'autre part, ici je suppose. Voilà, ils viennent de là-bas. Et c'est tout.
Donc, par contre, vous autres, vous êtes réveillés dans 22 heures. Ah, quel dommage que vous ne soyez pas tombés en même temps. Par contre, ça aurait été super bien si j'avais pu... Mais on va quand même essayer. On va essayer de les réveiller quand les autres arrivent. Et pour ce faire, il faudra que je me mette ici. Mais on va changer de flingue. Cette fois-ci pour vache. Pour pouvoir tirer de plus loin. Ça, ça tire de plus loin. Ça tire de 37. Et les libellules, pour le moment, n'a que du 30. 7 cases, c'est 7 cases. Bien que proche, c'est bien meilleur mon truc, hein. Mon arme, hein, mon autre arme. Au fait, libellule, tu es bonne aussi en mêlée, toi. Hein. Donc, libellule, où es-tu pour l'instant? Tu me fais ça, ok. On va te laisser finir ça. Ok. Tu vas semer puisque tu es là. Et comme ça, les autres ne doivent pas venir. Tu veux aller jouer aux échecs, mais tu vas d'abord me prendre un fusil normal. Voilà. Ensuite, allô, tu es dans quel état? Manipulation, ton épaule droite, hein. Avec 21 encore, elle n'est pas bien soignée encore. Hein. Ah, encore 8.8. Ah, mais tant pis. Hein. Ok, maker, tu es occupé. Maker, par contre, toi, tu vas... J'en ai combien? J'en ai que deux, hein, toujours des trucs comme ça. Maker, tu viens me prendre ça. Bon flingue, ça. Alors, je vais encore avoir un autre ici, intéressant. Donc, toi... T'as de 10. Vache, elle a ce qu'il faut. Dan, il a ce qu'il faut. Decker, il a ce qu'il faut. Donc, j'ai... Ayo, je sais pas ce qu'il fait. Va, je sais ce qu'elle fait, ouais. Dan, toi, t'es mêlé. Grizzly, tu es mêlé. Decker, tu es mêlé. Ah oui, j'ai pas le choix. Decker, tu veux être mêlé, ouais. Decker, tu vas passer comme mêlé. Donc, on a 1, 2... Et 3. 3 mêlées. Toi, tu tires à ce fusil-là. Allô, bah tu tireras aussi. Alors, un mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est, toi, tu étais agile, hein, c'est ça qui était pratique. Mais là, tu es déjà abîmé, donc on va pas t'abîmer plus. Hein. Dan, ok. Decker, donc. 1, 2, 3. Libellule, c'est parti. Changer, le chauffe, tu peux pas. Et Maker, t'as le fusil à pompe, donc... Marlo, on va te mettre un autre flingue. Tu viendras te battre aussi, mais... De l'arrière, quoi. Hein? Avec ça. Voilà.
C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ah. Donc on va se mettre ici cette fois-ci. Hein? Ok. Alors, vous autres. Ah, elle est passée mineure. Bien. Ok, elle est descendue un petit peu. C'est parfait. Et toi? Tu es toujours mineur. Prochain traitement dans une heure. C'est bien. La quête annexe est dans 6 heures. Ok. Ah ben, c'est parfait. Des armes, je n'en ai plus besoin d'autres. Ok, c'est bon. Ok, c'est lesquels qui lancent ça sur tous? Ouais, et les autres aussi, je suppose. Ouais, ok, tout le monde s'y met. Libba, Elule. Est-ce que j'aurai le temps? Ouais, c'est bien possible que j'aurai le temps. T'es où? Ah, t'es déjà dans ton pieu. Est-ce que t'aurais le temps de venir jusqu'ici, ma chérie? Ah, essayez. Alors. Risley, mon ami. T'as quoi que sur la tête? Tu as un chapeau. C'est bien. C'est même très bien. Ok. Grizzly, tu viens ici. Ensuite, Decker. Tu viens prendre ça. Grizzly aussi. Ça. Bam. Tu prends ça. Vache. Viens ici. Alors tu restes au pieu. Maker, tu viens avec nous. Tu vas manger. Donc tu te lèves. Tu vas manger. Non, tu vas pas manger. Ok, tu viens ici. Les bellules. À mon avis, tu vas pas y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, les belles.
Tout le monde est OK là? Bonne. Ah, t'es guéri là. T'es mon meilleur, toi. Eh là, mec. Ok, tu viens ici. Non, tu vas pas forcer, tu viens ici tout court. Ah, je peux pas. Disney. Ok, toi, ok. Alors. Grizzly. Toi, tu as un gilet pare-balles. Toi, tu as pas de gilet pare-balles. Donc, Grizzly, tu viendras. Toi, tu viens ici, non, ici, non, donc on voit déjà un en moins. C'était vite fait. Les belles. On se dépêche, ma jolie. Maker, tu es déjà là. T'es mort de quoi, au fait, toi? Regarde un peu, regarder ça. Uniquement le combat. Alors, Dan a démoli avec la masse. Dan, il a évité... alors, Decker, il a utilisé sa massue et a frappé au visage, le torse. Et Dan a évité Missé. Ok, c'est bien. Alors, Grizzly a frappé et il est tombé dans confusion, en contusion. En confusion. En confusion, cette fois-ci, oui. Et la balle du pistolet mitrailleur lourd de vache a tué là-bas, avec la balle. Ok, c'est bien, c'est fait. Suivant. Attention, lui, il est boum, en un coup. Lui, il est mort de quoi? Alors, Grizzly a cassé les vis avec un marteau. Les vis a touché l'équerre. Ah, en touchant le bras, donc le numérus gauche. Dan a écrabouillé, d'équerre. Et voilà. Donc, Decker s'est fait avoir. Petite perforation, quand même, qui perd 10 sur le bras gauche. Et l'humérus gauche. Ah oui, donc ça a passé le bras, et donc c'est arrivé en dessous sur l'humérus. Bon, c'est un peu gênant, ça. Le suivant, ça ne devrait pas poser de problème. Ok, il s'enfuit déjà. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a qui s'enfuient, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, on va déplacer Decker. Non, tu attaques qui? Sleepy, tacticienne. Ok. Il n'y a plus de Sleepy. Elle est morte, Sleepy. Ok. Donc, vous autres, vous tirez. Il n'a pas fallu longtemps. Autres, vous attaquez. Ok. Ça. Matériel. Parka, pantalon. Ok. Jean, je vais un petit peu me le transporter, mais plutôt... Jean.
autres qui arrivent. Libellule est là. Tac, 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 tac. Au revoir, monsieur. Ça, toi, je suppose que tu n'auras pas le temps de la lancer non plus. Boum. 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 Et l'autre, il se tire. Voilà. Ok. Ayo, tu n'étais pas chez nous. Ok. Donc, toi, tu es sauvé, je pense. 58%, c'est parfait. Donc, Decker, ben, tu vas rentrer. Mais tu vas faire quelque chose avant de rentrer. Tu vas ramasser quelque chose. Les couteaux. Là, il n'y en a qu'un. Pistolet lumière lourd. Oui. Ça aussi, les grenades, enfin le molotov. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, je vois pas grand chose. Ok, donc Decker, je te stoppe et je voudrais que tu veux transporter ça. Ouais, ça peut se faire. Ok, ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres où ils sont tous, ils se tirent tous? Ok, ils se déplacent. Oui, panique. Tu vas à quelle vitesse, monsieur? Tu fuis à une vitesse de 460, donc ça va être un petit peu difficile de t'avoir. Vous autres, vous fouillez aussi. En regardant les numbers, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas aller très vite. Alors, NJ ingénieur, c'est laquelle? NJ ingénieur, c'est elle. Ok, on va aller se la choper. Qu'est-ce qu'elle a comme matos? Elle a un pistolet mitrailleur. Donc pas grand-chose, ça. Ça, c'est dans combien d'heures? Dans 16 heures. Ok, libellule. Libellule. Ben ici, ma chérie. Alors, Kid, t'as quoi, toi, mec? Pistolet automatique, gilet pare-balles. Tu vas à quelle vitesse? 430, on peut t'avoir. Ok, toi, je t'ai fait partir, Dan. Ok, vache, vache. Vache, tu viens ici. Le maker. Un mortage. Le maker, tu viens ici aussi. Parfait. Grizzly. T'as fini. Dan. Tu as fini. Vache, Maker, je te garde, et Libellule aussi. Bien. Alors, on va regarder ce que nous avons ici. Matériel, chapeau, chemise, synthé, pantalon, Jean, tu viens me transporter ce mec. Là, par contre, je vois qu'il y a une veste et un casque. Et donc ça, c'est pour Grizzly. Tu me réparer et puis tu vas me déshabiller. Decker, tu es parti te reposer. Dan. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un gilet pare-balles, un pantalon renforcé. Ok. Dan. Déshabiller. H. Ensuite, allô, c'est fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Orage sec. Ok.
Ça reste ouvert pour le moment. Libellule. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? C'est qui ça? C'est Antoine d'Haleine? Antoine d'Haleine? Un fond de barbarie entre eux? Entente d'haleine. Ouais, belliqueux, donc ils partent tous d'office à l'arrière, donc oublie quoi. Fonce. Vache, tu fonces aussi. Ok. Ok, vous autres vous revenez, ma vache, tu vas prendre un peu de. Profites-en, Libellule. Rentre. Jean. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une toute nue. C'est une toute nue. C'est pour Jean. Ok, ensuite ça. Matériel. Nada. Donc Jean, une fois que tu as pris ça, tu prends ça. Ça, c'est fait. Mon ami Dan, comment es-tu? Pas trop bien à toi, hein? Mais tu vas semer la zone. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un gilet pare-balles. Allez, à poil. Est-ce qu'il y en a encore? Bon. Allez, donne. Ouais, il faut que je transporte. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix là. Maker, je vais pas te laisser là, mon ami. Je voudrais que tu prennes avec toi ça. Et les mégatériums, c'est de l'autre côté, bien sûr.
Ensuite, il n'y a plus personne dans ce coin-ci. Est-ce que Decker a quelqu'un qui te soigne, mon ami? Non, je crois pas, hein? Allô, est-ce que tu es en bonne santé pour faire ça? Manipulation. Pas trop. Miss Vache. Où êtes-vous? Vous êtes là-bas. Monsieur, Madame Libellule, vous êtes rentré. Bien. Allez vous occuper de ce monsieur-là. Prioriser, soigne Decker. T'as pas grand-chose, hein, Decker. Non, tu meurs dans 14 heures, c'est tout. Oh, le foie, quand même. Combien de points? 5,5. Et le bras. 10 points qui te manquent, là. Ok, ça va, t'es mis comme ça. Par contre, à l'eau, j'aurais voulu que tu nettoies un petit peu ce monsieur-ci. Parce qu'il n'est pas propre. Ah, ça marche pas. Ok, je peux pas. Alors, chauve, tu te reprends quelqu'un. Ok, bam. Tu peux encore prendre quelqu'un, je crois, ouais. Lui, par exemple. Et le nom, Maker. T'as faim? Allô? Tu dois soigner Big Red. Big Red, il part dans combien de temps? Big Red, il part dans 1 heure. Donc Big Red, je suis pas sûr qu'il ait encore besoin beaucoup d'être vraiment soigné. Bon, alors à 14%, et toi, tu as besoin d'être soigné, santé. T'es à 60%. On va te laisser soigner quand même. Mais sans médoc, hein. Aucun des deux ne prend de médicaments, hein, bien sûr. Et ils ne mangent rien. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim du tout. Je peux vous le dire. Avec la gangrène, on n'a pas faim. Voilà. Et puis c'est tout. Ça ne discute pas les ordres. Ok. Ensuite, donc on a Libellule qui est là-bas. Maker, que me fais-tu? Tu vas aller manger, mais tu vas d'abord aller nettoyer la chambre de Monsieur Decker. Parce que le pauvre mec, j'ai pas envie qu'il se prenne une. Alors, ça vient de péter, je sais pas où. Ça pète toujours, je sais pas où. Que nous reste-t-il ici? Des corps. Est-ce qu'il y a encore des corps? Il y a encore un corps. Un corps-corps qu'il faut déshabiller. D'accord. D'accord. Et puis encore un corps là-bas aussi, qu'il faut aussi. Donc, Jean, c'est toi qui vas faire celui-là. Il faut le faire parce que sinon, mes gens vont passer de toute façon dessus, donc rêvons pas. Allez, finis celui-ci. Tu déshabilles et puis tu le transportes. Voilà. Et on aura fait tout le tour. Libellule, tu soignes ce monsieur. Je ne sais pas. L'éclair où il tape, on va regarder quand même. Ok, Jean. T'as tout fait, tu vas prendre ça. C'est fait. La navette est arrivée. Ah
Ah, bah, mettez la main encore plus proche. Tu vas où, toi? Ah, tu vas les miner, toi. Ouais, bah vas-y. Pourquoi pas? La glume est toujours vivante. Bah, elle est toujours vivante. Bon. Sauf que maintenant, les heures commencent à compter ici, mon petit. Mon petit chéri. 11 heures. Ok. Ah, qui est belle, qui peut y aller, ok, ça va. Bah, tu rentres déjà, ma chérie, hein? Allez, hop. T'y vas, et t'y restes. C'est fait, tout le monde est dedans. Voilà, c'est Big Red. Ok, on envoie. Ah, il n'y a que Big Red. Attends, j'ai rien dit. Voilà, Libellule. Donc, déjà, toi, tu te tires. Libellule, tu restes encore ici. Et maintenant, on va regarder parce que c'est tout à fait possible que le cadeau vienne là aussi. Est-ce qu'il vient, mon cadeau? Tu n'as pas de cadeau, moi? Ah bon. J'ai déjà eu mon cadeau, peut-être, sans doute. C'était quoi la quête? Ils vont arriver une fois que tout le monde sera rentré, quoi. Mais ils vont arriver ici. Non. Ah non, ils sont là. Ils sont ici. Bonjour, ça. Genre, mon ami. Viens un petit peu intégrer ça. On va appliquer ça. Et puis tu vas m'appliquer l'autre, il est où l'autre? Bien les petits enfants, je crois qu'on a quelques heures devant nous. Déjà de fait, ça, il va falloir aller les chercher, les gars. Becker, tu veux y aller me chercher, peut-être. Ouais, peut-être bien. Je préfère que tu me prennes ça. Bien, on n'a pas mal avancé, on n'a pas perdu de vie spécifique. T'es où, Decker? Ok, tu rentres.
tu vas aller te coucher, mec, parce que là, t'es pas bien dans ta tête, hein? Donc, le raid est fini. Voilà. Dans 4 heures, j'ai les autres qui s'amènent. Ok. Mais c'est pas sûr qu'ils viennent. C'est pas sûr qu'ils viennent. Donc, il vaut peut-être mieux. On verra. Je vais demander à Allo de venir ici. Et puis ici. Et ça, ça va rester ouvert. Et ça, ça va rester fermé. On va jouer que ça comme ça. Allez. Maintenant, je suis pas sûr du tout qu'ils vont venir. Hein. Ils vont peut-être rester là dans le coin. À mon avis, ils vont rester là-bas dans le coin. Plus que possible. Et voilà. Stop. Toi, tu redescends. Tu fais ce que tu veux, mec. Tu vas pas nettoyer une saleté. Tu vas prendre des trucs avec toi. Prends des trucs avec toi. Il y a plein de trucs à prendre ici. Allez. Ah. Voilà, on va un petit peu arrêter. Ou alors je continue encore un petit peu, le temps de voir un peu ce qui se passe ici. Dans une heure. Quoi, ils attendent sans rien faire, c'est bien, c'est parfait pour moi. Il y a juste Libellule qui a plus le droit d'aller planning. Je veux plus que tu ailles là-bas. Voilà, et je fatigue un petit peu. Et je fatigue un petit peu, et donc on stoppe là, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao !